Bonjour, bonsoir madame, monsieur. C'était un plaisir pour montrer la caillou. Nous disons merci avec tout le monde, auditeurs, auditrices qui sont connectés avec nous. Et nous disons merci à tout le monde. Pour un petit temps pour remercier tout le monde qui fait famille Haïti Papyria. Moi, ça l'est, Jean-Marie dans cette ville, Tchèque au peuple, et puis Adeline dans cette ville, Rita dans cette ville, Jetta Jean, et Marie-Claude Jean, et nous saluons tout le monde, nous saluons Mackenzie depuis Mysticali. Tout le monde en général, nous saluons tout le monde, bon Dieu, et nous allons commencer une nouvelle café actualité, hein, madame et monsieur. Et bien, je vous dis à une nouvelle que nous portons pour vous, café actualité, hein, et nous t'avons fait connaître combien de cobs la police a touché en Haïti. Pour travailler à faire, travailler qu'on est à faire, c'est un travail qu'on est qui est extraordinaire, un travail qui est extraordinaire, qui est vraiment difficile, mais ça va dépendre. Mais nous allons connaître combien de cobs la police l'a touché en Haïti, nous allons donner plus de détails sur le travail ça a fait en Haïti. Et bien, surtout, je connais ça avec nos journalistes, tout ça, qui c'est Haïti. Papyria, nous t'avons même bouté une petite chaise au bas pour nous expliquer tout ça qui a fait actualité. C'est sur le channel de savoir bien un peu d'informations. Haïti Papyri, c'est référence à tout le peuple ici, côté. Et bien, écoutez, écoutez, on a une petite nouvelle pour nous voir le côté en chef de la police là, qui t'a parlé, qui t'a dit combien de forces comme la police a touché et qui des gens des services, qui des gens des. Fonctionner avec la police, madame Timussé. Et bien, restez contents avec nous. Nous allons, côté la police, côté journaliste, poser la question sur l'affaire de combien de quoi toucher en Haïti. Restez contents avec nous. Nous allons regarder. Enquêteur, et que après ça, et pendant SDPJ, nous venons tomber Delma. Delma, de Delma, à Pétionville. Et puis, étant Pétionville, nous décidons que. Il faut que je travaille à Jacmel, parce que c'est mon Jacmel. Ah, okay. C'est là que ça me décide de me dire que moi je vais travailler à Jacmel et puis m'organiser, moi je vais parler à Jacmel pour me parler. Et puis je tombe à Jacmel, je parle dans la ville, c'est moi qui est originaire de mon local de le Cap Rouge, qui dépend de Kaj Jacmel. Et puis je fais un Jacmel, je travaille à Kaj Jacmel dans la commune. Et que c'est jusqu'à présent, c'est l'ami, bien que moi je suis porte au président de SPNH. C'est Kaj Jacmel que moi affecté pendant la parole. Très bien. Bel parcours ou même dans la police nationale jusqu'à ce que je ne dise là où c'est inspecteur divisionnaire. Et nous parlons de les détails pour nous comprendre la police. Donc on a parlé là, inspecteur. Combien de policiers qui n'ont pas là? Bon, pour le moment là, je crois que la police, d'après bien que vous connaissez que il y a une variation faite pour hier, un policier qui mourit, avant hier, qui mourit. Mais d'après la dernière rencontre que nous avec DP, il dit que la police a un effectif que de 14 900 policiers. 14 900. D'après la dernière rencontre que nous avons avec DP, c'est ça le débat comme référence. Dans 14 900, il y a 14 700 qui sont actifs. Okay. Et puis il y a 200, dans 200, ça a un policier qui est handicapé, qui n'a pas à travailler, qui a étudié là-bas. Dans 200, ça a plusieurs petits fractions là-dedans qui viennent faire que il y a 200 policiers qui n'ont pas actifs dans la police. Comment on intègre la police là? Bon, c'est pas en voie de concours, mais quand même, c'est un processus qui est assez simple. Parce que ça, il y a un bureau de recrutement permanent. Côté que, à n'importe quel moment dans l'année, on parle dans le bureau ça, ou inscrit couramment. Et là, l'inscrit, on est pour côté. C'est une description en permanence. Oui, en permanence, oui. Là, l'inscrit, on y a pas de. Bon, petite classe pour faire, c'est 9e année fondamentale. De pour admirer en effet fondamental, la police n'a pas prêt pour le recevoir. Mais entre temps, tout le monde, il faut qu'on gagne c'est du carbone BMS, il faut qu'on soit un monde qui n'est pas de jambe condamné en peine affective ou infamante. Il faut qu'on pas de jambe perdre une nationalité, il faut qu'on ait toujours été haïtien. Je crois que c'est des petits différents détails que le monde est capable d'intégrer la police. Après ça, il y a un exercice physique, interview, un test pour faire, un test intellectuel pour faire, un test physique, il faut qu'on ait une bonne santé, il faut qu'on pas gagner aucune maladie, il ne faut pas gagner sida, et qu'il y ait une maladie, encore pas de gagner pour qu'on intègre la police. Ok. Maintenant, au moment que le policier, ou bien tout policier, combien de temps de travail par jour? Bon, au réel, il
licence est varié, tout dépend de qui côté on travaille. Ok. Même en dehors de l'Ouest, là, il varie. Si on travaille à Port-au-Prince, Delma, quoi, des bouquets, on aurait 12 heures de temps. Okay. 6 pour 6, j'ai 6 pour 6 là. Okay. Mais si on travaille en province ou bien dans des coins reculés, mais en dans département et autour, en mi-temps, comme ça, nous sommes en Jacques Jacmel, dans le département sud-est là, même dans le bureau départemental là, c'est toujours horaire 6 heures de temps, 6 pour 6 là. Mais quand on commence à rentrer dans une zone reculée, ou quand on aurait policier qui fait 6 jours de travail dans le poste là. Non-stop. Oui, non-stop. Il fait 6 jours de présence et bien il fait 6 jours de congé. Oh, ok. De façon alternée. C'est-à-dire, l'autre qui fait le premier 6 jours, l'autre nègre là, il fait 15 jours. Tout dépend de gens que responsables avec la police ou arrangé, pour renouer le cap bon pour, parce qu'en pile, ils ont travaillé dans la zone, ils n'ont pas monde dans la zone. Si on a une famille au Port-au-Prince, une famille dans n'importe quelle province, il faut aller continuer la famille. Ça veut dire que l'autre aurait 6 jours de travail ou bien 15 jours de travail, l'autre 15 jours est pour l'aider. De ça, vous devez venir de commissariat. Vous devez venir de commissariat. Oui, le commissariat, ça est préparé pour ça même. Okay. Le gars doit être au policier dormi, mais des deux trois qui vraiment qui laissent à désirer. Mais plus fort. Qui est-ce qui décide dans quel commissariat, qui policier va aller? Bon, il fait, bon, l'ancien conseiller à partir du déploiement, le groupe politique est sorti. Il fait d'une manière aléatoire. C'est seulement le dit qu'il dit non de A à B pour aller tel côté, non de B et de J à M pour aller tel côté. Il n'a pas fait d'une manière aléatoire. Mais quand même, quand il y a des gens qui ont demandé des traitements de faveur, côté que les gens qui ont proche lui, qui choisit un côté pour lui. Okay. Mais d'une manière générale. Parce qu'on est souvent. Policiers, ils ne sont pas aimés aller. Et on vient comme vous pratiquez dans la police là, si un policier fait un bagarre avec un gros chef là, etc., au moment des transferts, le TPI, c'est l'autre côté, côté ça, c'est dans la bois que lié. Il y a ça, il y a des choses. Oui, réalité, ça, il y a des qui existent et que pour le moment, il y a des zones que vous considérez comme ça, des zones nord-est, nord-ouest, vous considérez comme des zones pour leurs besoins exilés aux policiers pour vous voler dans la zone ça bon c'est une réalité liée en allant pas nier la réalité ça et il est toujours fait comme ça mais pour moi même qui c'est un faux procès parce que imagine le pays c'est 27 500 km², mais votre côté vous êtes supposé voler dans la police là c'est la police nationale c'était avant la cafe mais dans l'esprit en pile gros chef le fait comme ça. Donc c'est son pratique qui connue. Son pratique qui connue, toute police connaît. Il y a des gens qui ont fait là, on va connaître son sanction. Maintenant, un policier lundi, inspecteur lundi, à part de policiers, qui a l'activité économique qui est capable de faire? Est-ce qu'on est limité dans ce sens? Oui, policier limité, effectivement. Loi interne la police interdit policier pour faire business d'une manière générale. Ok. De manière générale, il a été dit policier pour faire business. Mais quand même, que policier qu'on contourne loi ça, yo fait business avec madame yo, petit yo, mon qui proche yo, mais qui toujours qui parfois qu'on fait des problèmes avec des mondes que c'était yo t'a fait personnellement. Mais quand même, c'est une réalité liée, li nan règlement yo. Côté que yo été dit policier pour faire business. Non policier. Si on a la supervision, elle est supposée faite. Oui, elle est supposée faite, mais parfois, quand il y a des contraintes, quand il y a la police, la machine, il n'y a pas assez de machines. Lorsqu'on a 3-4 machines, on met 3-4 patrouilles, quand il y a un inspecteur qui est supposé faire supervision, pas des machines disponibles pour faire supervision, il est obligé de faire journée dans le commissariat. Et ça, qu'on arrive assez souvent. Mais pas nous prendre des policiers dans l'arrière, mais nous dans l'arrière, mais nous ne pouvons pas superviser parce que les moyens ne sont pas disponibles. Pour ça. Toujours dans la rue, je vous demande de vous demander au inspecteur. Souvent, on va généraliser quand même, souvent, les policiers dans la rue, ils ont checké, etc. Là, avec votre machine, bon, je parle avec les chauffeurs. Et lorsque vous demandez clair, qui laisse comprendre que les policiers vont pas demander avec un petit compte qui capote machine avec les chauffeurs. Vous comprenez ça? Bon, j'en dis, je ne pas vous aborder comme ça. Abonnez Jean-Paul. Imaginez-vous, moi-même, moi, quand pour dans la rue, je dis, bon, licence. Que mon avez tout le baou avec, ou tout
trouvé le bon avec 1000 gouttes. Laisse ça, les policiers allaient même. Ils diront choix. Soit qu'il accepte, il y a deux choix. Soit qu'il accepte, il refuse. Et puis le bon contravention. Mais en plus fois. Il y a un retour, il y a un retour de corruption. Ça, même, ça arrive même déjà. Et moi, je ne pas non, c'est un retour pour tout oui, il y a un retour pour tout de corruption. Ok. Mais, et j'en aborde des questions, hein, mais. Il fait les deux. Il fait. Ça, ça son aspect, ou dit là. Son aspect. Son aspect. Et chauffeur, policier à camp, il a checké chauffeur à tout mal licence. Il a mis dans gouttes. Et ça, c'est ça son aspect. Mais le deuxième aspect, c'est policier même qui connaît mon étudiant. Oui, policier, je suis capable de dire d'une certaine manière. C'est pas ce que je dis. C'est pas général. Mais l'IVM, c'est illégal. On connaît son réalité. C'est illégal. D'abord, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Qu'on gagne tout qui est mal tombé, qui est. Quand tombé sur moi-même, ça arrivait, mon policier, parfois ça moi civil. Moi civil, et ils ont abordé comme ça. Mais, je ne pas de côté problème dans ce côté problème dans y est, exactement. Nous allons nous traiter nos policiers avec ça, d'ailleurs. Est-ce que c'est là, c'est. On ne peut pas justifier ça, parce que déjà, on est illégal. Est-ce que c'est un problème à chercher pour être capable de faire ce petit mouvement et rencontrer chaque fait mois. Et ça ne peut pas justifier rien. Ça ne peut pas justifier rien. Mais quand même, on est que. Il y a un pile policier honnête dans la rue. Mais il y a un pile policier qui est dans la rue. Moi, je voulais dire qu'il faut honnête. Bon, madame, tu veux dire, je vais essayer pour nous comprendre ce qui a passé dans l'affaire police en Haïti. Que nous connaissons, exemple, si la police est dans la rue, que tu as offert au COB, mon capot de machine, on t'a offert au COB, et puis pour que tu as quitté l'allée, ou qu'on est Haïti, il y a un moment de difficulté qu'on a. Il va gagner le choix, il y a juste pour nous parce que Haïti est en difficulté. Si un policier t'a couru, si on t'a couru machine, un civil t'a couru machine, et puis le policier t'a campé, et puis le gens peut parler seulement avec le football cop. Bon, ça, le policier est obligé pour nous parce que lui-même il va gagner pour aller la caille parce que le policier n'a pas touché vraiment comme sérieux. C'est après avoir dit, mais pas touché vraiment comme sérieux dans la police. Madame, merci, c'est un plaisir de nous sommes avec nous. Nous sommes ça que c'est Haïti Papyria pour nous dévoter. Bonne nouvelle, café Haïti pour nous. Nous souhaitons que nous partagions la vidéo. Bah, voilà, que bon Dieu bénisse nous protéger nous. Et à la prochaine. Et c'est un plaisir de nous sommes avec nous. À la prochaine.